Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 8h15. Ryan m'a réveillée à 5h, mais j'ai été me recoucher à 5h30 jusqu'à presque 7h. Ouais, c'est ça. J'ai redormi presque 2 heures. J'avais été couché tard. Parce que j'ai voulu terminer mon dessin. Voilà. Oui. Vous connaissez mes obsessions maintenant. Purée, vous étonne. Hein. Alors, je prends mon petit carnet pour savoir ce que j'ai fait ce week-end. Je sais plus. Ah oui, vendredi soir. Vendredi après-midi, mon frère m'envoie un message. Il me dit... Je vais faire mon huile pour les cheveux en même temps. Il me dit, on va au ciné ce soir. Et j'ai dit, ah bon, le film il passe? Et puis il me dit, bah je sais pas. Ah. Donc j'ai été voir, heureusement il passait. Mais après il m'a dit, de toute façon, il y en a tellement qu'on voulait aller voir qu'il y en aurait bien eu un qui passait. Et on a été voir Les Cartes du Mal. Et waouh! C'était génial. On a adoré. Autant les deux derniers films qu'on a été voir nous ont déçus que là. On était ravis, l'histoire était géniale. Ouais, franchement, tout était bien. On a adoré, on était en suspense durant tout le film. Génial. Je crois que vous avez compris qu'on a beaucoup aimé. le samedi, on a été le matin avec Chéri à l'Hydrion. Donc, c'est un espèce de centre commercial ouvert où nous on a le Creutzwaldt, Die, on a Produo, il y a Lenbacher, enfin il y a plein de boutiques, il y a un peu tout, il y a Action. Et on a été parce qu'il y a une boutique de soins médicaux, donc de location ou d'achat de soins médicaux. C'est là que vous pouvez acheter vos fauteuils roulants, des ambulateurs et tout ça. C'est pas pour ça que j'y suis allée. Hein. Mais ma kiné m'avait conseillé un chauffe-nuque qu'un de ses patients avait. Et j'ai été le chercher. Il était à 77 euros. Mais vu que j'étais à la mutuelle, qu'eux sont en partenaire avec, et j'ai eu 15% dessus. Donc voilà, c'était tout bien. Et je l'ai testé hier. Oui, à part, je l'ai testé que hier parce que je n'ai pas eu le temps le samedi. Mais il est très bien. Je vous montrerai demain parce que là il est là et je viens de m'asseoir. J'ai pas envie de me relever. Donc on a été faire ça. Moi j'ai été faire un petit tour chez Creutzwaldt rechercher deux patines puisqu'ils étaient en promo. Mais que ça revient vachement plus cher quand même que chez DM. Hein. Mais bon, l'Allemagne c'est un peu plus loin. Et comme ça je dis tant qu'elles sont en promo, j'en ai deux. Rosé, j'ai repris cette fois-ci. Au cas où je dois refaire une parce que mes cheveux jaunissent ou parce que ici ça devient un peu trop crépus et tout ça, tout ça. J'ai fait la sieste et ensuite on a été manger chez ma belle-sœur. On a rigolé. Ah, on leur a expliqué que quand Enzo était petit, un des voisins lui avait montré pour faire des proutes avec une paille en mettant en dessous du bras et en soufflant dedans. Du coup, elle était chargée les pailles et tout le monde était en train d'essayer et tout le monde se frondait la gueule. Voilà, des vrais gosses. Mais comme quoi, même les adultes, vous pouvez les amuser avec pas grand-chose. Bon, il faut des pailles en plastique, hein. Ce qui est dur à trouver maintenant. Mais du coup, ils ont rigolé puis ils ont fini à faire une bataille de pistolets Nerf, là. Enfin, des faux, hein, mais vous savez, avec la petite fléchette en mousse, là. Des gosses, des vrais gosses. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Et hier, j'ai donc reçu mes polychromos, mes crayons hors de prix. La boîte elle est gigantesque, mais elle est là au-dessus, j'ai pas envie de tordre le bras non plus. J'ai fait mon nuancier et j'ai colorié toute la journée, à part pour faire ma sieste, en regardant la série. Je suis en train de regarder la saison 2, la série From. Alors, je vous la conseille à 10 000%. La première saison est sur Netflix. Je regarde l'autre sur l'IPTV, la deuxième.
Je suis restée. Alors, il n'y a que 10 épisodes. Hein, c'est pas non plus une série. Voilà, je me suis pas enfilé une saison de 20 épisodes. Hein, il n'y a que 10 épisodes de 50 minutes. Donc, j'ai binge-watché. Enfin, j'ai regardé tout à la suite. Moi, je mettrais que c'est un peu un mix entre Walking Dead et Lost. L'histoire a l'air pas mal, on ne sait pas le dénouement encore, hein, mais l'histoire pour l'instant est bien. Moi, je suis à l'épisode, je ne sais pas, je ne sais pas voir sur mon truc. Attendez, si je le lance peut-être. À la saison 2, épisode 3. Super, c'est des gens qui arrivent dans une ville et après ils sont bloqués dans la ville et la nuit il se passe des événements un peu particuliers. Mais après ils se retrouvent bloqués dans la ville. Donc je ne sais pas si c'est comme Lost et qu'ils sont morts et que c'est un espèce de purgatoire ou si c'est plus une malédiction ou je ne sais pas, ou un univers parallèle peut-être ou des trucs comme ça. Donc j'attends, voilà, j'attends. Je sais qu'il y a une saison 3 qui est en cours aux États-Unis, il me semble. Je ne sais pas si elle est en cours de tournage ou si elle est en cours de diffusion. J'ai pas vraiment regardé. J'ai juste vu qu'il y avait saison 1, 2 et 3. Heureusement, je peux déjà voir la saison 2. Et voilà. Ça, c'était mon petit week-end. Et pour les polychromos, alors petit spoil. J'ai déjà fait un dessin complet d'un dragon pour ma belle-sœur. Et là, je suis en train de faire ma première sorcière. Voilà ce que ça donne. Alors, le teint, je ne l'ai pas fait avec les polychromos, puisque j'aimerais bien d'avoir terminé les autres. Mais ça donne bien. Bon, vous la voyez peut-être un peu pâle, puisque je ne sais pas comment vous la mettre, mais bon. Elle a son teint qui est fait. Hein. Mais voilà, les fleurs et les cheveux sont faits avec les polychromos, c'est oh my god. La qualité des crayons, c'est un truc de fou. C'est comme de la crème. J'adore. Donc voilà pour le week-end. Oui, on n'a pas fait grand-chose à part mon ciné et aller manger chez ma belle-sœur. On n'a pas fait grand-chose. Ça met encore une semaine, encore en congé toute cette semaine. Chouette. Et oui, je suis déjà en train de dessiner à 8h15 du matin. Là, je reçois mes livres de chez Amazon et j'en ai recommandé trois hier. Oh, il faut que j'arrête, j'en ai plein déjà. J'en attends encore 4 chez Amazon, 3 sur Temu et maintenant 3 autres sur Amazon. Mais comme j'ai pas gardé, vous avez eu déjà normalement les livres Temu. Je vous mets toutes les vidéos de. Quand je découvre le livre, je les découvre avec vous en musique, hein, mais je vous montre les images. Et moi, je les vois pour la première fois en même temps aussi. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos, puisque il y a des images, wow, des trucs de fou. Mais il y en avait un que j'avais commandé qui était un peu plus sorcière Halloween, vous voyez, Halloweenesque. Et finalement, il n'est pas si top que ça. Donc, je m'en suis recommandé un exprès d'Halloween. Avec des sorcières un peu plus gothiques et un avec des chibi girls. J'adore les chibi girls, c'est trop mignon. Et voilà, donc j'ai hâte de recevoir ceux d'aujourd'hui pour voir un peu les dessins. J'essaye de faire un par bouquin à la suite, comme ça, je les fais un peu tous quoi. Ça change un peu. J'essaye de pas faire deux portraits à la suite, par exemple. Comme ça me change, je fais pas que des portraits, j'ai pas l'impression que c'est trop redondant. Et j'essaye de trouver des autres techniques. Là, par exemple, je ne sais pas comment je vais faire mon fond, parce que le fond, il n'y en a pas énormément. Puisque là, c'est toutes des fleurs et des feuilles, jusque-là. Et il y a un petit peu de fond ici et ici. Donc, je sais pas si je vais le faire à la peinture, j'ai un peu peur que ça cache tous les petits détails. Je ne sais pas, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être juste donner un petit peu de flou avec une pastel sèche, puisque j'ai reçu mes pastels sèches aussi. J'ai pris le gros paquet, donc ceux-là, je peux vous les montrer. On voudrait tout ça dans le hall spécial coloriage, mais j'ai pris la grosse boîte de Faber-Castell. Moi, j'avais la petite de 12.
ou 20, je ne sais plus. Hop là, 24. Donc là, j'ai le double, quoi. J'avais celle-ci que j'utilise en boucle. Bon, là, j'ai changé, hein. J'ai mis celle qui était dedans, je les ai mis dans la grosse boîte et j'ai mis les neuves ici. Donc ça, c'était les couleurs qu'il y avait dans la petite, qu'il y a dans la petite boîte. Et j'ai recommandé celle-ci parce que voilà, il y a plein de couleurs. Et je m'en sers tout le temps sur chaque dessin, puisque je m'en sers pour faire mes fonds. Bon, je ne me sers pas que de ça, hein, mais c'est Christine, je crois, qui m'a demandé ce que j'utilisais pour faire mes fonds, enfin mes colos. J'utilise tout. Mais les pastels sèches, ça me sert. Bon, ici, je ne l'ai pas fait parce que bah, j'utilise les polychromos, donc ça va tout seul. Mais je l'ai fait pour le teint, puisque j'ai utilisé les Black Edition. J'ai pris la craie couleur chair. J'en ai badigeonné partout où il y avait de la peau. Et même si ce n'est pas vraiment colorisé, ça laisse quand même un film un peu talqué, comme ça, je vais dire. Et du coup, ça permet d'aider pour faire l'estompage et ça économise les crayons aussi. Donc, c'est tout béné. Donc, voilà pour ça. Mais vous verrez en détail tout dans le hall. Sinon, bah, j'utilise des crayons. Là, pour l'instant, il n'y a que du crayon, mais j'utilise aussi du feutre, de la peinture aquarelle, de la peinture acrylique, des fards à paupières. J'utilise aussi. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je ne sais plus. Des feutres. Voilà, c'est les feutres que je cherchais. Ouais. Sinon, j'utilise aussi des feutres. J'en ai acheté chez Action et j'en avais commandé déjà pas mal. Une boîte de. Je ne sais plus, 24 aussi, je crois. Sur Amazon, que j'aime beaucoup parce qu'il y a deux pointes. Enfin, il y a une pointe pointue. Fine et l'autre c'est une boule en fait, c'est pour faire des dots, donc des petits points. Et je m'en sers aussi bien pour mes ongles que pour les coloriages. J'avais acheté ça pour colorer la résine. J'en ai de chez Action, j'en ai un peu partout. Chérie m'a mis mon étagère ici juste au-dessus du bureau. Et du coup j'ai mis mes livres, mes feutres et ma première trousse que j'ai reçue. Et j'attends la deuxième pour pouvoir ranger les polychromos dedans parce que la boîte elle prend énormément de place. Mais voilà, quand j'aurai reçu ma trousse et tous mes bouquins, je vous montrerai ce que ça donne. Comme ça, vous verrez tout, mais ça sera pas dans ce vlog-ci, je pense pas, puisqu'il me manquera les trois de Noël. Et je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Donc voilà. Et donc voilà, bah, écoutez, pour la première journée, on va s'arrêter là. Soit deux commandes aujourd'hui, une par Bpost et une par UPS. C'est par UPS, c'est quoi déjà? C'est un truc Amazon. C'est ah oui, mes blenders. J'ai commandé des blenders aussi. Enfin bref, voilà. Donc, et bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se dit toujours. Bah, je viens de filmer. Il est 8h moins 10. Hier, j'ai reçu 3 de mes 4 bouquins Amazon et le dernier arrive aujourd'hui. Je comprends pas. Pourquoi ils ont envoyé séparément alors que ça était censé être tout ensemble, mais voilà. Et demain, j'en reçois 3. Faut que j'arrête. Je vous jure, après j'arrête, c'est les derniers. C'est les derniers. Hier, je disais à Sam, je ne sais même pas quel dessin faire après parce que j'ai tellement de bouquins que j'ai tout envie de dessiner, enfin colorier, donc voilà. Là, je vais aller tourner les colos terminés. Donc ça, j'ai fait l'intro ici et je vais faire le reste en bas. Voilà, je pense pas que je vais tourner tout de suite parce que là ça va être l'heure de donner à manger au chien. Enfin, quoi que non, il est que moins 10, donc ils ont encore presque 1 heure devant eux. Mais j'ai beaucoup de montage à faire, j'ai beaucoup de montage en retard. Et là, je vais mettre chauffer à la salle de bain, comme ça je vais à la douche tout de suite. J'en profite pour me démaquiller. Oui, je me maquille que pour 10 minutes, mais c'est la vie. Je vais à la douche quand j'ai possibilité d'y aller tranquille. Donc là, j'irai une fois que j'aurai nourri les chiens. Parce qu'à ce moment-là, ils dorment et j'ai un petit peu la paix.
Et avant que le facteur se pointe, je sais pas. Ou alors j'irai ce soir. Je sais pas. En même temps, c'est kiff-kiff, hein. Vous allez plus me voir après. Et à part mon facteur, personne d'autre va me voir. Mon facteur et mon chéri, mon fils. Personne d'autre va me voir de la journée. Donc voilà, le facteur a l'habitude de me voir en pyjama. Lui, ça quitte plus. J'ai toutes mes commandes Temu qui sont arrivées à l'aéroport, mais qui bloquent. Elles ne sont toujours pas passées les douanes. Ça commence à me pomper. Bon, après, il n'y a rien d'urgent. Si, ma trousse pour les crayons, parce que j'aimerais bien ranger mes polychromos dans une trousse, parce que la boîte est extrêmement encombrante. Parce que c'est quand même une boîte costard. Et puis pour prendre un crayon, c'est pas évident, puisque si vous voulez un qui est dans le fond, il y a quand même trois palettes à chaque fois, enfin deux palettes à enlever. La boîte, c'est pas pratique, plus que celle des Black Edition, là, de Faber-Castell. Enfin, c'est Faber-Castell aussi, les Polychromos, mais c'est une gamme au-dessus. Donc j'essaye de bien utiliser d'abord mes Black Edition et d'économiser les Polychromos. Et voilà, et je verrai après. Quand j'aurai bien diminué tous ces crayons-là, on verra où ce qu'on en sera. Hein. Si je reprends les polychromos, si je reprends les Prismacolor, je ne sais pas. On verra. Si je colorie encore, surtout ça. Vous connaissez mes lubies, hein. Il faut que j'achète tout, tout de suite. Il me faut tout le matériel nécessaire. Et au bout de 3 mois, je laisse tout tomber. Hein. C'est comme ça. Bref. Cette semaine va pas être très intéressante parce que j'ai pas grand chose à faire. La semaine prochaine, chérie est en congé, donc le vlog risque d'être court la semaine prochaine. Voilà, j'avais rien de plus à vous dire. En fait, je sais même pas quoi vous dire de la semaine parce que oui, j'aimerais bien trier ma garde-robe, ranger le bureau et tout ça, mais j'ai pas le courage. Franchement, j'ai pas le courage. Je vous jure, je suis plus fatiguée comme avant. Les cachets que le médecin m'a prescrit pour dormir fonctionnent très bien. Alors, je ne dors pas plus, je ne dors pas plus vite, mais je dors mieux. Donc, je me sens plus reposée déjà, donc ça aide vachement. Même si je dors que 5 heures, je sens que je me suis plus reposée, que je me suis moins réveillée. Cette nuit, je me suis juste réveillée une fois pour remettre la couette parce que j'avais viré la couette pendant la nuit. Ou chérie m'a viré la couette, peut-être, de pose du blousier. Hein. Et du coup, j'avais froid, donc j'ai repris juste la couette et je me suis rendormie direct. J'ai pas eu besoin de redescendre, faire pipi, fumer une clope, boire un café. Oui, même en plein milieu de la nuit, je bois un café si je me réveille. On est drogué ou on ne l'est pas. Donc voilà. La semaine prochaine, chérie en congé et j'ai ma gastroscopie, elle est passée. Oh ah, il faut que j'envoie le message à chérie avec les cachets qu'il faut. Parce que j'ai acheté chez Creutzvedt, j'avais acheté un sirop pour la toux parce que le soir, je tousse beaucoup quand je suis dans la chambre. Et quand je suis couché aussi, après, je suis une grosse fumeuse de longue date, donc voilà, c'est un peu normal. Mais là, je sens que c'est les bronches. Qui ont pris, donc je pense que j'ai un début de bronchite. Et du coup, j'avais acheté un sirop antitussif pour. Je me suis dit, comme ça m'aidera à moins me réveiller. J'ai pris le sirop hier avant d'aller à la sieste. Oh my god, insupportable! Ça me brûlait tout. Mou, je l'ai senti jusque dans l'estomac. Donc j'ai dit, avec mon ulcère et mes problèmes gastriques du moment, on va éviter. Donc là, je vais lui dire qu'il demande un sirop antitussif, mais avec un bon goût, doux. Parce que, ouais, il m'a brûlé, c'était au pain. Et par contre, il était super efficace, hein. J'ai pas toussé de la sieste, mais ça m'a vraiment brûlé l'estomac. Donc, voilà. Et il me faut aussi un spray anti-stress pour justement cette foutue gastroscopie. Quoique, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? NTPA et des Bastirini pour mes douleurs d'estomac et les gouttes pour les oreilles des hommes. Donc voilà, je vais lui envoyer un message qui me prenne au moins les Bastirini et le sirop. Ouais, le spray, c'est pour l'utiliser une fois pour aller faire la gastroscopie et puis après le laisser pourrir comme les autres dans le truc.
Je crois que je reprendrais plutôt du rescue, même qu'il est périmé, ça se périme pas vraiment. Vu que c'est conservé avec de l'alcool, ça se périme pas vraiment. Donc, ouais, je vais plutôt faire ça. Bon, ben voilà. Bon, moi je vais aller. Je vais enlever mes fossiles. Et je vais aller. Oui, c'est ça la merde. Hein. C'est tellement beau les fossiles. Mais avec les lunettes, ce genre de fossiles, je peux pas garder, quoi. Sinon, ça racle derrière les carreaux. Je vais nourrir les chiens, dérocher, monter le vlog déjà parce que j'ai même pas monté celui d'hier. Mais bon, ça me squatte mon PC. Ah, et j'ai fini la saison 2 de From. Je suis dégoûtée. Si vous avez regardé et que vous avez des théories, dites-moi ça en commentaire parce que je me pose 20 millions de questions. Et la saison 3 ne sort que fin de l'été. Donc, on ne sait pas si on aura des réponses d'ailleurs. Mais ouais, ça me fait vraiment penser à Lost en fait. Hein. C'est vraiment le même principe que Lost. Ils ne savent pas trop où ils sont et c'est des trucs assez bizarres. Et en même temps, c'est un petit côté Walking Dead avec les monstres qui doivent se barricader et tout ça. Franchement, j'aime beaucoup cette série. Donc, j'ai hâte de voir la saison 3. Voilà. Ouais, donc sur ce, moi je vais faire ce que j'ai à faire. Aller mettre chauffer la salle de bain, puis aller à la douche. Attendre le facteur. Et c'est tout. Ce serait déjà pas mal aujourd'hui. Pensez à manger un bout. Hier, j'ai pas mangé de la journée. J'avais dit qu'il fallait absolument que je me force à manger au moins toutes les 2-3 heures un tout petit bout pour reprendre le rythme que j'avais avant. Post-sleeve, enfin avec la sleeve quoi, où je mangeais vraiment des toutes triquiqui quantités, mais à peu près toutes les 2 heures. Là, mon corps il recommence à trop stocker parce qu'il a peur d'être privé, donc faut vraiment que je reprenne cette habitude de remanger plus régulièrement. Et hier, j'ai complètement oublié de manger de la journée. J'ai mangé le soir des spaghettis carbo. Une banane. Et en toute petite quantité, bien évidemment. Ah, la banane, elle est passée en entière. M'a bien coûté. J'ai envie de banane. Georges est en train de se défoncer à lui tout seul la grosse pastèque. Je crois que j'en aurai pas un bout. Parce qu'il mange ça le soir. Et moi, le soir, si je mange ça, je passe ma nuit à me relever pour pisser. Donc voilà, Georges va me bouffer toute la pastèque sans que moi je puisse en profiter. Merci Georges. Bref, allez, sur ce, on switch le jour. Alors oui, je vous prends comme ça. J'ai froid. Il est 8h29 ou 8h30 quoi. Donc je vais vous parler de mon nouveau chauffe-nuque juste après. Enfin, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous le montrer juste après. Attendez, je le mets comme ça. Je suis gelée. Et je crève de mal au dos. Bon, le bas du dos. Mais ça me lance directement dans la nuque et les omoplates. C'est à cause de Chéri Riley. Il prenait toute la place dans le lit. Et du coup, il me poussait tous les deux dans le dos. Et voilà, maintenant j'ai mal. Merci à eux. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Ben, vous parler de... Enfin, vous montrer ça, parce que je vous en ai déjà parlé. Alors, regardez, c'est magique. Et vous avez également les pressions que moi je mets, mais bon là j'attends parce que Ryan va rentrer dans 2 minutes. Et ça se branche sur secteur avec le truc qui est énorme. Franchement, ils auraient pu faire ça un peu plus petit. Et vous avez 3 niveaux de chaleur et ils s'arrêtent automatiquement au bout d'1 heure et demie. Vous n'avez pas de minuteur. Moi il est toujours en 3 parce que c'est ce qu'il faut pour l'arthrose et en même temps c'est ce qu'il faut pour me réchauffer. Voilà, et il est super quali, super doux, il tient bien chaud, bien, il entoure bien les épaules. Franchement, je suis super contente de mon achat, même si c'était cher. Je suis bien contente. Voilà pour ça. Alors, petite astuce Temu. Je vous mets ici la petite vidéo, non, puisque c'est en format portrait que j'ai filmé avec mon téléphone, donc je vous la mets sur ma face.
Si vous cliquez sur, alors il faut attendre un petit peu, hein, vous pouvez le faire plusieurs fois, puisque vous allez voir que sur la commande que je vous ai montrée, c'est déjà la deuxième fois que je le fais. Vous cliquez sur consulter les détails de ma commande, là, les détails de ma commande ou je ne sais plus quoi, et ajustement des prix. Et ça va vous rembourser un petit peu des sous-sous de ce que vous avez commandé s'il y a eu une diminution de prix. Donc ça ne fonctionne pas avec les produits qui ne sont plus vendus. Et moi, je n'arrive pas à le faire sur mes anciennes commandes. Donc je pense que c'est un truc récent, puisque je ne l'ai jamais vu. C'est un truc assez récent et sur les commandes d'avant que ça sorte, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui est un peu dommage parce que vu toutes les commandes que j'avais, j'aurais pu récupérer un paquet. Bien que j'ai récupéré 25 euros à peu près sur les commandes récentes. Oui, il y en a beaucoup hein, en même temps. Voilà. Et comme vous avez vu, si vous laissez passer un certain laps de temps, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Voire, à mon avis, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Voilà, tout simplement. Si les prix sont ajustés suivant ce qui reste sur le site, quoi. Voilà. Et voilà. Ah, ça commence à bien chauffer là. Je suis gelée. J'en ai marre d'avoir froid, mais j'en ai marre. Attendez, je zoome un petit peu. C'est vraiment un peu ça. Hein. Je n'en peux plus d'être gelée comme ça. Même si je dors mieux, là je suis fatiguée. Ça fait 2 matins de suite que je suis fatiguée. Je pense que rien n'y fait dans le jardin. Riley qui est debout à la fenêtre pour regarder ce qu'il fait aussi. Ça fait 2 matins que je suis fatiguée. Hier j'ai été me recoucher vers 9h30, je crois. Ou 10h30. Non, j'ai attendu que le facteur passe. M'a amené mon bouquin qui n'était pas arrivé avec la commande précédente. Aujourd'hui, j'en reçois 3 autres. Faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête. Je vous ai dit que j'allais arrêter, hein, mais j'ai recommandé encore 2 bouquins. Et ouais, et des feutres. Sortez, mais vous verrez ça dans le haul. Voilà. Aujourd'hui, pour vous, il y a la vidéo, enfin pour moi plutôt. Il y a la vidéo sur m'aider à choisir ma tenue pour l'anniversaire d'Amy qui sort. Donc si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir et vous me donnez votre avis. Comme ça, je sais. Et je vais tourner, bon, je pense que je la ferai vendredi parce que je suis trop flagada pour parler. Je vais tourner les 20 coloriages terminés. Comme je vous ai dit, je vais attendre d'avoir à chaque fois 20. Je verrai après si la vidéo est trop longue, je ferai par 10. Mais là, je vais faire avec les 20. Et par contre, il y en a un qui sera que pour la prochaine vidéo. C'est le premier de la prochaine vidéo. Mais il faut trop que je vous le montre parce que j'aime trop le rendu. Donc, c'est dans le Girls. Girls et Renard, quoi. Mais celui-là fait plus loup. D'ailleurs, c'est le premier. Ah non, c'est pas le premier. J'aime trop. J'aime trop, 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 trop. C'est trop beau. Voilà. Et je suis restée que dans. J'ai utilisé 3 couleurs. Et le blender. J'ai découvert le blender. My God, je ne m'en passe plus. C'est trop beau. Je suis restée dans du gris clair, du gris un peu bleuté et du bleu un peu. Turquoise canard comme ça, vraiment entre les deux, et j'adore. Alors, c'est moi qui ai fait les petits dessins sur la tête du loup parce que je trouvais que ça faisait un peu mystique comme ça faisait très beau. Et voilà, dans le fond, j'ai mis de la peinture métallisée là, et puis j'ai fait des petits points, des traits blancs et des petits points, et je trouve ça trop beau. J'étais trop fière de mon dessin. Ah, et j'ai mis des paillettes aussi. Ça vous étonne, je pense pas. Hein. Voilà, fallait trop que je vous le montre. Et ce livre est vraiment magnifique. Il y a vraiment toutes sortes de dessins, enfin de genres de dessins. Même si ça reste à chaque fois avec un renard, mais il y en a qui font plus loup. C'est trop beau. Donc je pense que je ferai de temps en temps des renards, de temps en temps des loups. Regardez là, clairement, c'est pas un renard, quoi. Et la grosse tête qu'il a, c'est clairement un loup. Mais il y en a de trop beaux. Enfin, de toute façon, vous avez tous les feuilletages de tous mes bouquins. Oh! Je ne l'ai pas tué. Bref. Voilà, je voulais juste vous montrer celui-là parce qu'il est tellement beau, j'en suis tellement fière. Je pense que c'est un de mes préférés pour l'instant. Voire mon préféré.
Bref. Voilà. Donc, ah oui, hier j'ai terminé. Donc, je me suis dévoilée. Oh! Yuki! On va avoir droit à un con. Yuki! Ici. Viens ici, tais-toi. Allez! Ryan qui va venir ouvrir la porte. Égueuler à l'intérieur, probablement. Attendons voir 2 minutes. Ou pas, je sais pas. Il a ouvert la porte. Yuki est sorti. Il vient voir dans les amènes. Riley essaye de l'attaquer. Quoi? Ferme la porte. Il fait froid, ferme la porte. Ah non, il se casse. Je ne sais plus ce que je disais. Yuki! Il y en a un qui fait des conneries à Burberry. Oui, donc je me suis dévoré les 2 saisons de From. J'adore, j'ai trop hâte d'avoir la saison 3 qui sort. Je crois qu'aux États-Unis, il sort que fin de l'été là. J'ai trop hâte de connaître le truc, je pense. Enfin, je pense pas, je suis même sûre. Je vais me la refaire une deuxième fois pour bien voir les détails que j'aurais pu rater pour voir où ça me mène dans ma réflexion. Pour essayer d'essayer de trouver des pistes. J'ai été voir un peu sur Reddit et il y a des trucs assez intéressants mais assez bateaux. Donc, je ne sais pas trop. Et du coup, je suis tombée sur Netflix sur la série The Mist, qui est de Stephen King, c'est un livre de Stephen King. Et il n'y a qu'une saison. Donc, on n'a pas la fin. Mais là, je viens de tomber sur le film. Donc là, je vais regarder le film en attendant le farceur. Et après, j'attaque sur Netflix la série Dark, qui a l'air à peu près pareil que From. Voilà, et après je regarde de nouveau From pour essayer de comprendre ce que j'aurais pu ne pas comprendre. Ou voir ce que je n'ai pas vu, parce que comme je dessine en même temps, forcément il y a des trucs que... Hey! Il y a des trucs que je... Oh mon pépé pro, si tu peux bien ça. Bon, oui. Ah, il est croquatif. Donc voilà pour aujourd'hui. Ouais, je vous ai dit, hein, la semaine va être calme et la semaine prochaine, ça sera pareil parce que chérie est en congé et que j'ai ma gastroscopie. Donc le mardi, je pense même pas que je vous prendrai parce que je vais stresser à mort pour la gastroscopie. Et après, j'aurai l'examen, donc je vais dormir parce que si c'est comme pour la première où j'étais éveillée, parce que j'en ai eu plusieurs, hein, avant la sleeve et après la sleeve, et j'étais à chaque fois endormie. Sous anesthésie, et là c'est la deuxième sans anesthésie, sans rien, et la première j'étais en pleurs, ouais, les larmes coulaient toutes seules tellement je stressais, que c'était désagréable. Alors ça fait pas mal, hein, pas du tout, sauf quand il m'a fait la biopsie, mais enfin, le prélèvement, mais c'est tellement je stresse, moi, dès que je ressens une émotion, n'importe laquelle, si c'est un peu trop fort, je pleure, que je sois énervée, que je sois contente, que je sois triste, que je sois stressée. Que j'ai faim, même des fois quand j'ai faim je pleure, quand je suis trop fatiguée je pleure, je pleure tout le temps en fait, je suis une vraie pleurnicharde, je suis une pleureuse quoi, je suis une pisseuse dans tous les sens du terme, je pisse même par les yeux. Ouais, je suis fatiguée. Et puis une fois que le facteur sera passé, je vais essayer de manger un petit bout. Je vais d'ailleurs maintenant manger, Georges m'a coupé le reste de pastèque, il s'est enfilé toute la pastèque, hein. Il a dû me laisser un tout petit bol, hein. Je vais déjeuner avec ma petite pastèque. Je me force de nouveau à manger plus régulièrement, même si j'ai pas faim. Là, j'ai pas faim, hein, mais je me force et bah, rien qu'avec ça, j'ai déjà perdu 3 kilos. Donc voilà. Bien la preuve que mon corps stocke quand il a peur d'être privé. Mais corps d'ancienne obèse, hein. Donc, j'essaye vraiment de reprendre le pli de manger plus régulièrement.
Alors, je mange des riquiquis quantités, du coup, puisque normalement je mangeais une plus grosse quantité, mais une fois par jour. Enfin, normalement, ces derniers temps, ce qui n'était pas normal. Et là, j'essaie de me forcer à manger au moins le matin à 4 heures et quand je me lève de la sieste. J'essaye de manger ne fût-ce que deux triangles de vache qui rit ou quoi, mais hier j'ai déjeuné avec une banane. À 3 heures, j'ai mangé le reste de mes pâtes carbonara de la veille. Et à 6 heures, enfin, ah oui, à presque 8 heures d'ailleurs, on a mangé le repas. Chérie a fait des frites, donc les frites, je les évite pour l'instant. J'ai juste mangé du filet américain avec une salade de légumes variés, un radis. C'était super bon, ça. Il a acheté des petits sachets comme ça, hein, mais de mélange de légumes. Il y avait du céleri, il y avait du radis, carottes, il y avait plein de trucs, du chou. C'était super bon. Donc là, il m'en reste un peu pour midi. Non, 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 non. Il me reste un peu de filet américain et un peu de salade. Donc voilà, je vais essayer de manger ça avant ou après la sieste, mais vers le temps de midi, quoi. Si j'arrive à refaire mes 4 repas par jour, ça serait déjà bien, même si c'est des riquiquis portions, mais au moins ça serait déjà bien. Mais rien qu'en reprenant le pli un peu là une semaine, j'ai déjà perdu 3 kilos. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Allez, sur ce, on switch le jour. Alors, il est 8h10. Je viens d'allumer le poêle. Je suis complètement gelée. Et d'aller me chauffer à la salle de bain parce que je vais aller à la douche. D'ailleurs, je vais attacher mes cheveux tout de suite parce que je vais pas les laver aujourd'hui. Je pense que je les laverai dimanche, comme ça je fais un bon bain d'huile. Alors, hier je vous ai pas pris parce que ben voilà, c'était férié, donc chéri est en congé. On n'a pas foutu grand chose. Moi j'ai repris Sabrina sur Netflix. Ça faisait longtemps que je l'avais pas regardé. D'ailleurs, je crois que j'ai regardé qu'une fois jusqu'à maintenant. Et j'ai colorié. Du coup, j'ai attaqué un dessin d'Halloween. Bah ouais, je vais pas attendre Halloween, hein, comme j'ai dit. Et aujourd'hui, c'est Noël. Je reçois une commande Shein et 4 commandes TMU d'un coup. Et pas la toute première que je suis censée recevoir. Donc la plus ancienne que j'ai commandée. C'est pas celle que je reçois aujourd'hui. Et ça m'énerve parce que dedans il y a mes crayons pastel et ma trousse pour ranger les polychromos que j'aimerais bien ranger parce que la boîte est un peu encombrante. Donc j'espère l'avoir demain. Je vais regarder avec vous, je me suis dit si... Non, ça va pas bouger. Ouais, non, de toute façon je suis censée recevoir un mail, j'ai les notifs. Est en cours de livraison. Oui, mais c'est pas celle. Celle qui est en cours de livraison, c'est la dernière que j'ai faite. Enfin, l'avant-dernière, puisque j'en ai refait une hier soir. Ouais, j'en ai 4 en cours de livraison. Voilà. Et hier, j'ai refait une commande. J'ai recommandé un bouquin. Tout ça parce qu'il me fallait des nouveaux dotting tools pour faire mes petits points sur mes dessins, puisque je ne sais plus où sont tous les miens qui sont dispersés dans toute la maison. Alors je me suis commandé un livre, des dotting tools et des blenders. C'est pas vraiment un crayon, c'est comme un espèce de fusain. Je vais les essayer pour s'ils reviennent moins cher que les Derwent et s'ils sont aussi efficaces. Et le reste, c'est pour le swapper pour Manon. Et j'ai refait une commande Chine aussi hier, je crois. Mercredi soir ou jeudi matin, je ne sais plus. Je me suis recommandé des nouveaux tapis de souris. Pff, faut que je me calme. Franchement, je n'arrive plus à me contrôler. J'ai commandé aussi un top. Hein. Voilà. Ça devient incontrôlable. Je ne sais plus quoi faire pour me calmer avec les commandes. Ouais, et l'autre, toujours rien, quoi. Bref. Et donc, hier... Alors, attendez, je prends un petit coup de café. Parce que,
J'ai déjà pas arrêté depuis ce matin. Depuis, alors, 5h. Ryan m'a réveillée à 5h30, alors que j'ai été couchée à 1h30. Ça pique. Et en plus, aujourd'hui, j'ai Enzo et sa copine qui viennent, donc je pense pas que je pourrais aller à la sieste. Et à même pas 6h, Yuki qui gueulait comme un con dans le jardin. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'arrivais pas à le faire taire, j'arrivais pas à le faire revenir. Donc j'ai dû sortir, donc depuis j'arrive pas à me réchauffer bien évidemment, et la récupérer au milieu du jardin. Je l'ai porté, je l'ai mis à l'intérieur. Ryan est venu rouvrir la porte. Donc il est ressorti, il a continué à gueuler. Mais là, j'ai dû aller tout au fond du jardin pour aller le rechercher. Et en fait, c'est parce que le voisin, à même pas 6h du matin, était déjà en train de faire son jardin. Motivé le gaillard. Voilà, quoi. Ça m'a déjà bien saoulé. J'ai passé un coup de balai, alors je dois nettoyer encore, mais je pense que j'y arriverai pas, j'ai trop mal partout. J'ai mal le dos, ça fait 3-4 jours là. Et j'ai mal les épaules, c'est même pas les omoplates cette fois-ci, c'est vraiment les épaules. Dès que je bouge, ça me lance dans les épaules. Donc voilà, là je vais me décongeler la poulette du gros, puis aller à la douche. Après je ferai mes petits montages de ça et de la vidéo que j'ai tournée, j'ai tourné mes colos terminés. Je nommerai tout à l'heure les livres de Noël que je reçois. Oui, les livres de Noël. Oui, et alors pareil, je vais pas attendre Noël le mois de décembre pour colorier des colos, des trucs de Noël. Et du coup, j'ai le blog à monter, une palette à make-up et les colos terminés en réel également. Les livres de Noël, mais ça, je ferai le montage demain, je pense, puisque genre, je me squatte mon PC toute la journée maintenant. Il y a Yuki qui veut rentrer. Et donc hier, chérie a été racheter du tabac et je lui ai dit prends-moi une puff pour que j'essaye, pour essayer de limiter les cigarettes. Si je peux économiser quelques clopes sur ma journée, ça serait pas mal parce que je fume vraiment beaucoup trop. Je le sais, hein, mais voilà. Et du coup, il m'a ramené celle-ci. Alors, c'est la seule. Voilà, c'est comme ça. Et il y a 600 puffs, je crois, et c'est fraise kiwi. C'est pas dégueu. Mais je voulais une bubble gum ou une barbe à papa. Et du coup, il m'en a commandé au boulot. J'espère qu'il les aura aujourd'hui, mais je pense que ce ne sera pas avant lundi. Je ne sais pas combien de temps il faut pour préparer la commande quand il ne les commande pas directement sur place. Parce que, bon, là, c'était 8,50€ hein, quand même le puff. Et lui, au boulot, il les paye 4,50€. Bon, il faut les acheter par 10, puisque c'est des ventes trop gros. Mais ça revient à 4,50€ le puff et il m'a pris bubblegum et chéri. Et donc on va se les partager puisque ici eux deux ils en fument régulièrement. Et moi je vais m'y mettre aussi pour économiser vraiment des cigarettes. Alors c'est pas moins nocif, c'est moins nocif pour les fumeurs, mais c'est pas moins nocif pour les non-fumeurs. Hein. Faites attention, j'en vois beaucoup qui pensent que vu que c'est pas des clopes, c'est pas nocif pour les non-fumeurs, alors qu'il y a quand même de la nicotine dedans. Et la vapeur, en fait, c'est exactement la même chose que la fumée. Attends, Yuki, j'arrive. Donc, c'est moins nocif pour les fumeurs parce qu'il n'y a pas le goudron et tout ce qu'il y a dans les clopes qui est vraiment dégueulasse, le tabac et compagnie, et tous les produits chimiques. Il n'y a vraiment que de la nicotine. Donc, c'est moins nocif. Mais pour les non-fumeurs, ça ne l'est pas. Donc, voilà, évitez quand même de fumer. Bon, maintenant, si vous les prenez sans nicotine, je pense qu'il n'y a pas de risque. Mais avec nicotine, faites bien attention, ne fumez pas près des non-fumeurs. si vous respectez les non-fumeurs pour la fumée de cigarette et tout ça, quoi. Mais voilà, comme ça, j'ai hâte de recevoir les bubble gum parce que c'est vraiment... ouais, je voulais vraiment bubble gum ou marshmallow, barba papa, un truc comme ça. Chérie, je pense que j'aimerais bien aussi parce que j'aime bien le goût de la cerise chimique. Je suis pas normale. J'aime pas manger le fruit, mais le goût comme les bonbons, vous savez, en forme de petits culs. Hein, moi, j'appelle ça des petits culs. J'arrive. Ça, j'aime bien parce que c'est plus chimique. Ça a vraiment le goût de cerise un peu acidulée comme ça. Et j'aimerais bien trouver un au Red Bull aussi, mais il n'y en avait pas au boulot. Donc,
j'irai peut-être voir dans un magasin pour m'en prendre un ou deux. Et comme là, il y en a 10 par boîte, donc ça leur en fera 3 chacun de chaque. Et moi, j'en prendrai 4, vu que c'est moi qui dois limiter la clope principalement. Et voilà. Bah écoutez, sur ce, moi, j'ai rien de plus à vous dire pour ce vlog. J'attends mes commandes, j'ai trop hâte. Je vais pas vous montrer ce que j'ai commandé pour moi, peut-être un petit peu en story sur Insta, puisque il y a beaucoup de choses que j'ai commandées en double pour mettre également dans le swap de Manon. Il y a que 2-3 trucs que j'ai pris tout seul, donc je vous montrerai ça, notamment 2 petits gnomes en déco qui boivent du café. Voilà, tout simplement. Passion gnome hein, en ce moment, vous le savez. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. On monte toujours aussi doucement, mais on monte. Et voilà, donc ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça m'aide pour l'algorithme et la visibilité sur YouTube et tout ça, tout ça. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment très important d'activer la petite cloche aussi, comme dirait Sam, puisque ça vous permet d'adopter les vidéos qui sortent. Riley ! Et sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.